repas du soir pour mes grinders. C'est toi la maman en fait? Un peu. Un peu barbu pour une maman, mais bon. Ça mange à quel moment là, du coup? Bah, ça dépend si on stream ou pas avec Rony. Nous, en général, fin de session, les streamers. Et puis les joueurs, c'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent, le repas est prêt vers 18h en général, du coup, quand ils veulent venir picorer, si Chèvre Miel a un petit creux, il peut se servir. Il y a à peu près un an et demi, j'avais l'idée de faire une villa un peu bala entre grinders, streamers, dans l'optique d'inviter un maximum de personnes à l'étranger, comme on a pu le voir dans d'autres projets. On avait ça en tête, mais finalement, ce projet... Le projet tel que tu le voyais au début, c'était à mon avis un sacré budget déjà, il n'y a pas si longtemps. Je te dis, Rouhani, j'ai un lieu. J'ai un lieu pour ce projet-là. Parce que j'ai cette maison de famille qui vient d'être fibrée, en fait, et qui peut accepter un tel projet. L'idée du projet, c'était de réunir des amis. On voulait une histoire humaine, donc des gens avec qui ça nous fait plaisir de partager ce moment-là, parce que c'est pas anodin, c'est quand même 15 jours quasiment, en colocation, avec des moments un peu chauds, où on joue pas mal d'argent, etc. Pour la première édition, on ne voulait pas inviter des gens qu'on ne connaissait pas trop. Voilà, on voulait des gars sûrs, vu qu'en plus on montait un petit peu le projet à l'arrache, on n'avait pas forcément le luxe de pouvoir contacter quelqu'un. Et c'était la première édition, on ne savait pas si ça allait bien marcher. Le projet, c'était de prendre du plaisir et de faire quelque chose en équipe et en groupe, chose qui est quand même relativement rare dans le poker online. De vivre quelque chose, de partager entre nous nos joies, nos déceptions. Je joue au poker depuis longtemps. Mes plus belles victoires comme mes plus belles défaites, je les ai vécues tout seul dans mon salon, comme la plupart des grinders. L'idée, c'était de se réunir pour partager tout ça. Et en plus, derrière, rajouter la dimension stream, Twitch, pour faire vivre ça à tous les gens qui nous regardent, quoi. Je peux vous dire qu'à 17h, il y avait plus de bruit qu'à 20h. C'est très calme là, ça clique doucement et c'est appliqué, tout le monde s'encourage, ça se chambre un petit peu, c'est le minimum, mais le but évidemment c'est de vivre ce grand rendez-vous, la grand-messe bien sûr, des grinders online à plusieurs. Impeccable, il n'y a plus qu'à. Santé, c'est les casse-balles là. Les secrets des tops. Petit verre de rouge pendant le break. Et ils le font tous. T'inquiète pas, l'autre, il cherche un verre. Moi, c'est. Il me reste deux tables, je le vois. Vous, par contre, t'as une table. Ça, on le montre pas en stream, hein. C'est les coulisses. T'inquiète pas. T'inquiète sûr. Et donc, il a une belle bagarre. C'est beau quand même, je suis stressé à 14F d'un normal. C'est beau. Y'a quoi, une série, si tu vois ça? Ça entretient la magie. J'ai trop envie d'en gagner un. Toi, franchement, si tu gagnes le win assez, je vais bien t'acheter le skate. 2K, il te l'achète, c'est un retard. Pour toi, 3K. Good luck. Allez, las. Dame. Oh. Allez. Oui. Salir. Mais normalement, faut pas changer là. À chaque fois, on change, c'est pour ça qu'on perd. Mais quel top. Ça, c'est le fichier de suivi de la Grindhouse pour les viewers qui ne sont pas en stream tout le temps. Tous les gens qui jouent dans la maison, on fait un petit fichier le soir pour qu'ils puissent nous suivre. On dit combien on a gagné, perdu, ce qu'on a fait, notre ressenti. C'est un peu comme un journal de bord, quoi. Moins 850. Mais qualif. Le 15. Plus le 1K. Sans bébé. Ça change des résultats de petits joueurs, hein. Il a déjà fait plus. Il est trop content de refilmer ça. Il jouit. Alors oui, c'était moi, j'étais là, je me rappelle. Il était vraiment nul. Hein. Allez, ma chère, on a du bobo. Allez, Nas. Oh, le value flop, incroyable. Encore un Nas. Allez, voilà, papa. Tout. Mais il en perd pas. Hein. Incroyable. JTF le premier soir, c'est beau quand même. Martinez, quoi. Let's go, ma chèvre! Allez, ma chèvre! Troisième, on sait faire. Deuxième, on sait faire. Est-ce qu'on va réussir à faire premier? Je sors la flûte si chèvre miel est en heads up. Ah oui. Allez! Allez, 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 allez.
Le seul air là que je me sens capable de jouer, c'est l'air du Titanic. Oh non! Je visualise la chef se prendre un iceberg de pleine face, tu vois, en jouant cet air. Putain, il a toutes les notes! Ça change! Go! À deux doigts de chanter, hein. Non, on a déraillé. Fait plus dur. On a déraillé. Allez, c'est tapis chez la chèvre. Est-ce que tu calls? C'est pas snap call. Allez, mon loup. À roi. Allez, à roi. Roi. Premier tapis pré-flop perdu depuis 2001 pour la chèvre. Ah, j'ai dommage. Ouais, on baisse. Ouais, t'as perdu les deux flips pour la win, GG, t'as bien joué. C'est bien. GG, pas loin. Très belle. Ça fait combien exactement, Cyril? 7008 plus 1004. 7009 plus 1004. 9200 euros. 9300. 9200 euros pour le signe de la meilleure perf de la Grindhouse. Toujours pas win la série. Tu gardes ta couronne. Il y a plusieurs fois que tu fais deuxième. Ou... Ouais, j'ai dû faire 3 ou 4 fois deuxième, 3 ou 4 fois troisième. Comme ça, après j'ai de la réussite de faire deuxième aussi, donc faut voir le bon côté, mais un peu déçu de pas gagner. Tu sais que j'ai un stress quand je fais les bluffs là, je le sais que ça me. Ah ouais, ça te bloque. Bah je pense qu'en fait. Moi je savais pas, il a eu tellement d'achievements depuis 2 ans, il m'a dit quand je l'ai invité pour la Grindhouse, tu sais quoi, j'ai jamais gagné de série. J'ai fait 2, 3. Et bah toujours pas. 4, 4, 4. Putain, mais quel naze. Bon, t'es bien con. Il manque toujours ce dernier flip, quoi. On est combien là? On va être 400, non? Il y avait autant de qualifiés, d'ailleurs, non? Quand t'es en série tout seul, en fait, t'as forcément des soirs où tu blanques tout, où tu vas te coucher à minuit, tu vois. Et tu peux un peu te régénérer en faisant une bonne nuit de sommeil, etc. Sauf que là, vu qu'on est 5-6, il y a toujours un connard qui dit prenne jusqu'à 5h du mat. Mais c'est toujours le même. Et c'est toujours le même en plus. Un peu plus cette grindhouse que la précédente, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a envoyé 5 athlètes au JO et qu'on les vraiment les poussé. Typiquement, moi, il y a une soirée où j'ai give up parce que j'étais fatigué, pas forcément envie de jouer. J'ai eu plein de messages, allez, tu sais comment ça se passe, tu sais de quoi t'es capable, lâche pas. J'avais l'impression d'être Usain Bolt, quoi. On reçoit plein de messages. Là, début de grindhouse, j'ai reçu 2-3 photos différentes de personnes qui ont fait la même chose. Ah. Ok, mais sans stream. Sans stream. Qui était à 6-7 potes en train de jouer des win à series, tu vois. Qui avait commandé leur number one pour être pour le run good. Ouais, ouais. Et ça, autant te dire que ça te. Bah, tu commences, t'es pas à 100%, t'es à 200, quoi. Si un jour on m'avait dit que Ponce P me ferait la bouffe. On est là pour le jour 9, en pleine forme comme vous pouvez le voir à ma gueule. Merde, la caméra est encore cassée. La qualité sera forcément plus dégueulasse que l'habitude, mais ça va le faire. Une deuxième place pour Chèvre Miel, encore une TF dans cette grindhouse, et ça fait plaisir. Marc, time to shine, c'est ton soir. Ah ouais, c'est mon soir, ouais. C'est vrai. C'est avec l'histoire du mec qui a vomi le matin et qui termine par... dégueuler son stack en TF. Oh ouais. Celle-là, tu peux la mettre. Non, tu vas Surtout s'il y a un gros spew. Juste prendre du plaisir, ça suffit. J'aurais pu en vrai. Faire des quintes. Ça, c'est... Des carrés. Ça, j'ai pas bien ici. C'est accessoire, ça. Ouais. Si j'en mets une des deux... T'es bien réveillé. Marc fait TF du High Roller. Aïe, pas de TF. Allez, 4 Pas le droit au 4. C'est le besto. Il y a eu pas mal de deep runs dans ces séries et au final je fais des séries plus ou moins even. Donc ça reste quand même bien, sachant qu'en plus les deux fois où j'ai deep run vraiment, enfin que ce soit le 1000 euros là ou la TF que j'avais faite,
J'ai fait quand même des erreurs, tu vois, donc je peux pas me dire, vraiment, j'ai pas de chance et tout. Là, par exemple, il y a Nico qui est encore in, etc. Bah, c'est cool de se dire, finalement, ça s'arrête, tu vois, mais ça s'arrête, mais il y a quelque chose derrière, genre, tu peux kiffer encore, quoi. Je vais pas te mentir, Cyril. Dis-moi. T'es dans la sellette pour la prochaine Grider, ça. Si tu dis prenne pas demain ou après-demain. Et tu nous as pas montré grand-chose. Après, il avait un joker. Alors donne de ta personne. Encore plus. Ta deuxième place à la première Grindhouse ne te donne pas un totem d'immunité, ouais, Cyril. Allez, il y a un chèvre miel au milieu là. Il le couvre. Il y a un chèvre miel au milieu. C'est une ma chèvre, tout droit. Allez là, bouffez. Ah bah oui, je vais faire ça. Oh là là, c'est bizarre. Allez, ma chère, j'ai tout droit. J'ai parlé un petit peu avec Nico pendant le break, il est bouillant. C'est pour ça que normalement c'est le vice. Oh là là, quel monstre. Est-ce que j'ai déjà pensé à donner des cours? Quand même. Ça va, oui. Ça, c'est un projet qui est dans les cartes. De faire. Deux. C'est terrible. Bravo, mec. Bravo. GG, GK, j'imagine. 12. Je bosse 17 sur 17, attention, pas de regret. GG. Là, 2-10 prenant du sort, je suis mort. Ouais. Wow. Tu as arrêté? Demain, je joue plus. Demain, c'est Adri. Sur le 500. Le problème, c'est que je le fais picoler tous les soirs à ce qu'il me règle. Il est pas en forme le lendemain. Le chèvre miel qui vous fait trop travailler, en fait. Mais c'est un peu ce que je lui reproche, mais bon. Bah, je suis pas capable de faire pareil, donc on prend les copains, hein, c'est pas grave, ça nous va. Tant qu'ils ramènent de l'argent, ça nous va. C'est déjà super beau, je prends 14 buy-in, alors que je me suis inscrit sur le turbo en late reg en plus. Ouais. Et puis je passe complètement up sur les séries entre hier et aujourd'hui, donc ce qui est vraiment, c'est beaucoup de chance de finir up sur des séries, donc je suis déjà très content. Un peu déçu évidemment, mais demain je serai très content. Tu vas tester chèvre miel la prochaine fois. Les lunettes? Ouais. Ça fait trop mal aux yeux ça. Ça te donne 10% de plus, non? En général, ouais. J'ai déjà 50% de plus moi, je crois. C'est bon, ça, mais ça fait 60 du coup, c'est quand même énorme là. T'arriveras à avoir 120% au flop quand même. C'est impressionnant. Du coup, t'arrives vraiment à changer ton jeu en fonction du film directement, t'arrives à l'adapter. Bah c'est ce que j'essaie quand je jouais les tournois plus chers, quand il y a des règles, t'es obligé de jouer comme ça. Mais comme tu disais aussi sur les TF, prendre des risques genre à 6 left parce que tu sais que t'auras pas déjà prêt, enfin tu... Ouais, exactement ce que je t'avais dit. Ouais, c'est beau. Non, mais mec, après évidemment que je suis bien moins fort quand je change de jeu et que je passe en mode bah tu joues comme pro des tops qui vont ça toute la journée. Moi je bosse sûrement moins qu'eux ou autant qu'eux, mais j'ai pas spécialement d'aide sur ce jeu là. Mais t'es obligé de passer en jeu comme ça, parce que si tu joues full exploit contre des mecs comme ça, ils sont pas cons, c'est que des pros qui vont comprendre ce qui se passe à ta play. Puis c'est toi au final qui va finir par déjouer, qui va te faire... Ça va mettre dans une zone que je maîtrise pas. On devrait arrêter les risques. J'ai rêvé d'un Ponce Pax en peignoir, pendant que Chance était en TF. Ouais. T'as vraiment rêvé de ça? Non. C'était un fantasme en fait. Bizarre. Mais ça va se faire. Je serais inquiété. Ah, le petit pont en bois, non. Freddy Pont, si tu le traverses à pied, avec un pied, tu gagnes le 4 millions. Allez, j'y vais. Allez, Nico. Allez, ma chère. T'inquiète pas. Fais ce qu'on peut. C'est plus facile de check ride. Hein. Monsieur, après vous. C'est ça, et ça crée un stress, tu vois, je pense. Ouais. C'est te dire, Et tu vois, et tu penses qu'au poker, mais en plus, lui, Steph, t'assure de pouvoir avoir des sages de décompression à la fin de ta journée, parce que tu vois, il va t'en méditer, il va t'en... Café, eau, clémentine, pommes, fruits, ok, jus. Un peu de jus, un peu d'huile d'olive, café, eau. On peut prendre du saucisson. Et du coup,
l'idée, c'est par exemple de garder le même noyau dur et à chaque fois d'intégrer une personne. Ouais, c'est alors je sais pas si on intégrera à chaque fois une personne, c'est pas si simple, faut trouver la personne, etc. Faut qu'il soit disponible. Mais Chèvre Miel effectivement a pris la place d'un autre pote toulousain qui peut-être reviendra dans la prochaine édition, je sais pas. Peut-être que à la prochaine édition ce sera Cyril qui sera pas là parce qu'il peut, il est pas disponible ou j'en sais rien, tu vois. Mais l'idée ce serait ça, c'est d'avoir un noyau dur et d'intégrer un nouveau profil qu'on présente, qu'on découvre, etc. Idéalement ce serait ça. Putain, c'est insane. C'est gênant de pas se voir ses pieds en fait. Il est dans le turfu. San Francisco. Raconte-nous ce que tu vois quand même, Antoine. Alors là, je vois, je suis au-dessus de la ville de San Francisco, de nuit. Je vois des buildings qui sont plus hauts que moi d'ailleurs. Alors, ça va pas du tout. Il sert à quoi ce petit boîtier que vous avez tous les deux là? Ça, c'est pour changer les scènes et faire des animations. Tu paramètres tous tes boutons. Ok. Ça te met ton écran de pause, ça te change les cams, ça te met des sons si t'as des petits sons rigolos, des trucs comme ça. Donc c'est super utile. Ça t'a jamais gêné que par exemple les joueurs voient la manière dont tu joues? Genre que du coup ils voient tes cartes et qu'ils... Bah c'est toujours gênant quoi, après... c'est un choix qu'on fait quoi. Moi j'ai choisi d'être moins performant au table à cause de ça entre autres. Il n'y a pas que ça uniquement, il y a le fait que moi j'ai une vision du stream où j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et vu que j'ai de plus en plus de monde qui me regarde, j'ai de plus en plus de questions. Quand tu as 2000 viewers qui te posent des questions en même temps, ça fait beaucoup de monde. Et j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Et du coup, bah, c'est de l'énergie que je mets pas dans mon jeu à observer mes adversaires, etc. etc. Ça doit faire 15 ans que je joue au poker. Et quand le stream est arrivé, ça m'a redonné une seconde jeunesse, quoi, un second souffle. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. J'aurais probablement arrêté le poker, en tout cas à temps plein, avec autant d'intensité, sans le stream. Live on Twitch, le lien. Salut à tous, salut à tous. Bon, on se lance juste. Personne ne grind encore, là, ça sent la fin. Tout le monde est fatigué. J'ai pas encore lancé la moindre table, on y va. Je vais lancer les events de 18h en les treg. Un 10, un 20. Tu fais chier à prendre les 8 là. Si j'avais. Et si on a des lignes égalité, c'est celui qui finit la ligne en premier? Non. Je tire la carte par les deux bouts. Il est trop bien. Et après j'ai deux paires et tout. Double paire. Donc t'as 5-2. Est-ce que ce serait pas le titre de la vidéo? Le padrun n'existe pas. Le padrun n'existe pas. Ça change pas de petit joueur hein. Le bad run existe alors ou quoi? Quand t'es là avec ta caméra, je peux te dire que je run bad moi. En fait, tu l'as pas expliqué ce truc là, si. Mais en fait, j'aime bien déjà la phrase parce que ça accroche l'oreille quoi. Quand tu dis le bad run n'existe pas, ça ils se remettent droit sur leur chaise et du coup ils t'écoutent. Mais l'idée c'est plutôt un life motif. C'est l'idée c'est que si t'étais meilleur. Globalement, tu tirais plus loin dans le tournoi, tu aurais plus de jetons, donc tu n'aurais pas perdu le flip que tu as joué à 17 left, etc. Donc l'idée, moi, c'est de me dire en fait qu'il y a toujours une marge de progression et que bah, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain parce que j'aurai travaillé et parce que je serai plus pertinent et parce que j'aurais pas joué le flip que j'ai perdu finalement parce que j'aurais plus de jetons, quoi. Bon, allez, j'y suis encore. C'est bon, c'est 4 de cœur. 4. Le 4 ? Tenir. Il est imbattable à table. Allez là. Voilà, ça n'en parle pas assez, ça faut les retenir ça. Ah bah je les retiens. 4 de cœur, il est venu. Bon, plus longtemps. Lui, ce qui l'intéresse plus, c'est le stream. Allez. Un as. Il va le faire. As. GG mon loup. Tape le palios. T'as les 4, franchement, les 4 là, s'ils ont des 4, il faut qu'ils... Tout le monde est out en fait, les gars. Ouais. On n'a plus rien. On n'a plus rien du tout. Bon, ben bah, voilà, c'est la fin du stream. Moi j'ai une strat, mais là, à chaque fois que je suis à la table de chèvre miel, pour minimiser mes pertes, je me mets sit out. Tu l'avais vécu comment la dernière fois, quand t'as fait la grosse perf sur la première Grindhouse? Ah bah trop cool, c'était la première édition en plus de la Grindhouse. Donc forcément, il y avait du panache quoi. Voilà. Mais ouais, à part ça, l'ambiance était ouf quoi.
En plus, ils étaient clairement en forme, là, les Gugus, quoi. Donc, ouais, on a bien rigolé. En plus, j'avais pris une tonne alors que j'avais pas une configuration optimale, tu vois, 10 left. J'avais un stack moyen. J'ai un peu survécu. Enfin, survécu, c'est un peu dur, mais j'ai pas eu un stack ascendant de ouf, quoi, pour faire deuxième. Donc, j'étais super. Super content du résultat, c'est un trop bon souvenir et du coup j'espère qu'il y en aura un autre comme ça quoi. Oh, elle est belle. On est tous animés par le même jeu quoi et je trouve ça incroyable quoi. Parce qu'on est vraiment, après ces deux éditions on commence à être un bon groupe soudé, en plus on se connaissait bien déjà de base quoi. Donc ouais c'était que du positif quoi, trop bien. Et si je suis invité, parce qu'apparemment hier j'étais sur la sellette, Adrien m'a dit, si je suis invité pour la prochaine, clairement, je reviendrai. On est parti pour le démarrage de la journée la plus importante. On a un conspé qui révise son Spirou, chance fait le bois, et le strip est lancé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour, j'allais dire, la dernière soirée, je me suis jinx, pour l'avant-dernière soirée de cette Grindhouse, dernière soirée des séries. C'est la main droite ou je vais au poker dans la cuisine? Bah j'essaie de manger. C'est pas habituel hein. T'inquiète pas les Colossus hein. C'est quand même beau de croire que tu vas te qualifier à la dernière roulette comme ça. Je crois qu'à chaque série, j'arrive à me qualifier à une connerie en turbo. En train de multitaper les cuisines et les derniers flights, surtout que le pire, c'est que dans ces trois-là, je peux te dire qu'il y en a un qui ira ouvrir. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas encore lequel. Ça va finir. Quand même. Reset mindset. C'est quoi le concept du reset mindset? Le concept du reset mindset, c'est que quand t'es en tilt, tu dois réussir à passer à autre chose et à oublier ce qui vient de se passer. Messieurs, bonne chance. La variance n'existe pas. Allez. Oui. Tenir. Ouais. Tenir. Oui. Allez là. Ça dégage. Premier essai. T'inquiète pas, les. Ouais. Incroyable. Trop le boss. Ça donne quoi alors? Viens pas par là, là. Ah, pourtant je run good, hein. Ah ouais. Viens par là. Les day 2 comme ça, c'est beaucoup d'attentes, mais on sait que ça peut aller vite des deux côtés. Et... En plus, ça va un peu dire la fin des séries quoi, quand on bosse de ça. Mais bon, il reste quelques tournois. Allez, mon agneau. Combien de blindes, Adrien? 60. Large. Celle de bien. J'ai 60 blindes pour l'instant, il reste une demi-heure avant le D3. J'espère qu'on arrivera. Je suis le dernier à avoir une tête dans la maison. Pour l'instant, en plus, les séries se sont pas super bien passées. C'est le 15 balles. Il doit y avoir plus de 100 000 en haut. Bon, on est encore très loin. On est, je crois, 140 left, un truc comme ça. On devait être 80 000 au départ du tournoi. C'est insane. Pas tout le monde, mais genre, t'as deux mecs qui te chillent de ouf. Allez, let's go. Ouais, t'as dit tout. Allez, agneau. Vamos. Allez, le beau gosse. C'est un beau moment, c'est important. Hop. Alors, on est où, là? 7. 7 à 6. Il a fait la moustique, ça. Allez mon ami, 46 blind, and a dream. On a Walls qui kiffe te voir à la télé mon cher Ponspé. Allez, merci. Ok, on prend quand même. C'est donc lui. Traumatisé non, pour ça, je pense qu'il a trouvé son bonheur ailleurs. Essayer hein, de raise ce bouton ou pas? La dernière main du day 2. C'est un peu comme si tu demandais... Oh aïe aïe aïe. Oh le double flush. Je commence à trembler.
Oh là là, il jam. Wow. Oh là là. Oh my god. Je ne vois pas du tout ça. Ah, je pense pas que je puisse la fold. On a entendu. J'ai bien entendu, je pense pas que je puisse la fold. Il a montré pas mal d'agressivité, c'est la dernière main, j'ai pas un mauvais bluff catch. Va-t-il faire le héros ici, Smart? Il est mort de rire. Va-t-il le faire? Oh, c'est trop la dernière main. Non, ouais, je peux pas la fold, tu la fold. Dernière main, frérot. Vous la payez, les gars, ou pas? Je sais pas. Bravo, mon loup, belle paire quand même. C'est horrible. C'est le spot est horrible. Celui qui a été le plus loin de ce day 2. Le mec va vouloir te mettre full pression en plus. Si, imaginons, il te connaît, tu vois, où il sait que t'es un streamer et qu'il show le truc et tout. C'était très bien joué pour prendre le maximum. Bravo à lui. Bon, ah, j'ai poteau. Poteau, oh non, mais c'était terrible quand t'as pas ton bouton, j'étais mal. Ah, je vais aller soute. Aïe aïe aïe. Comme ça, de toute façon, c'est assez cloche, je pense, mais faut être sûr du profil, s'il est capable de bluffer ou quoi. Mais surtout qu'il avait un gros stack, il avait montré un peu d'agressivité. Et souvent, c'est la dernière main, quoi. Il va vouloir me mettre pas mal de pression. J'avais un bon bluff 4, je pense. Voilà. C'est spécial du coup de jouer ces coups-là avec les autres dans la maison qui te regardent. Ouais, c'est rigolo. c'est pas non plus comme si c'était bull TF ou quoi, quoi. On était encore genre 80 left. Voilà. Putain, c'était terrible quand il a dit je peux pas folle. Je te jure, ça me prenait, quoi. Je me disais non, pas comme ça. Non, c'est terrible. Et puis en plus, c'est sûr que t'es obligé de te level. Dernière main, tu te dis le mec veut faire un exploit. T'es obligé, quoi. Bah bravo quand même, c'est beau. Ouais. Ça décacoule pas des séries, hein. Non, du coup non. Mais c'est beau quand même. Aux portes d'un verre. Ah mais c'est échappé. Voilà, du coup. GG Cyril pour toutes tes paires. GG chance pour toutes tes paires. Allez. Comment vous justifiez la grindhouse par exemple auprès de votre meuf? C'est genre... Après je sais que vous lui dites ce que c'est. Bah moi je lui montre le Twitch, quoi. Tranquille, et tu prouves que. Non, mais je lui dis, regarde, y'a pas de. Déjà, si tu dois prouver à ta nana qu'il y a pas d'autre meuf à la grindhouse, y'a un problème, quoi. Ça, c'est un sujet qu'on nous pose souvent, et finalement, on a tous. On est tous en couple, tu vois, quand même. Donc, ça se fait quand même. Après, enfin, je pense, je sais pas, je ne peux parler à la place des autres, mais moi, la mienne, elle a conscience que c'est mon travail, tu vois, que. Je fais du poker, mais aussi du Twitch, de l'animation, etc., etc. Et elle voit ça comme une sorte de gros déplacement professionnel de 15 jours, quoi, finalement, comme il y en a dans plein de professions. Ma copine, elle m'a beaucoup soutenu et elle a voulu comprendre ce que je faisais. Elle comprend le poker, quand on parle poker, elle comprend plein de termes, etc. Elle me soutient. Par contre, au bout d'un moment, elle n'a pas la même passion, tu vois, elle n'est pas animée par les mêmes choses et elle n'a pas du tout envie de se retrouver une semaine à entendre parler de poker. C'est bleu. C'est pour là plutôt. Ouais. Et il y en a une autre bleue pour moi. Toi, t'avais. Attends, je vais te la poser, c'est chaud. Merci. Ça, c'est avec plaisir. En tout cas, tu n'auras pas la scène où tu nous verras flash pour l'addition. Ah ouais. La truite. Merci. Ouais, c'est vrai. Si on met que des cartes Twina. Merci. Et toi, t'as quoi? Une truite. En vrai, on peut faire un jeu aussi, le perdant range tout le salon. Voilà. C'est marrant. Ça dépend du jeu. Un beer pong? Bagarre. Un golf? Bagarre, je suis chaud aussi. Wow. N'est-il pas beau, ce petit Vanini? 36 ans. Et toutes ses dents. Tu prépares quoi, Rony? On se prépare pour les photos de fin d'année, de fin de grindhouse. Allez, c'est parti. Mais non, mais comme non, on avait fait. Fait pas comme ça. Un cri. Ouais. Ah, mais ça s'est fini depuis 4 minutes là. Tu peux voir? Rony, il fait une perf, il regarde Amazon direct, il dit attends, là cette nouvelle caméra, t'inquiète pas. On va les faire gagner à nos viewers. C'est run good assuré pendant les prochaines séries. Le joueur français qui abandonne. Il fold.
Et qui fold. Qui overfold. Clairement. Le mot de la fin sur la grindhouse, je dirais que ça sera peut-être la prochaine la bonne, mais que ça a été quand même exceptionnel. Quoi. Qu'on a vécu de super émotions et que c'était un grave, grave beau moment. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de forcément parfait pour avoir des expériences gratifiantes quoi, et de bonnes expériences. Quoi. Le résultat, il faut toujours le dissocier du reste quoi, et comprendre qu'il faut agir au maximum ce sur quoi on peut avoir une mainmise, quoi, ce qu'on peut maîtriser. Quoi. Et les résultats, la variance et tout ça, laisser filer quoi, et espérer que ça se passe au mieux. Quoi. Grosse organisation. Hein. Faire rentrer, c'est pas facile. Jusqu'ici, ton meilleur moment de cette deuxième édition de la Grindhouse. Alors pour moi, c'est assez facile, je pense. C'est quand GTF les vents. Ah ben non. Je crois qu'en vrai, c'est les moments où on était tous ici, dans les canapes, globalement. Je trouvais ça cool, tu le vois. Rail, le rail ouais, de Nico, par exemple. Le rail de Nico, c'était vraiment sympa. Les rails de Nico. Les rails de Nico. De loin, le poulet du dimanche midi de la semaine dernière. J'en ai pas un en particulier, mais c'est le fait d'avoir un petit peu rail Nico et Marco sur le 1K. D'avoir rail Rouhani aussi, quand on était en off, en stream. D'avoir rail Adri hier soir, c'était Vibrige quand même, la dernière main du Daily. Donc c'est plein d'émotions comme ça qui sont... commune à nous tous quoi, et c'est les meilleurs moments je pense. Les moments de communauté quoi. Exactement, finalement. Les moments où on était tous ensemble et qu'on passait de bons moments. Quoi. Très beau. C'est beau. C'est beau. Aïe aïe aïe. Ben, moment d'émotion. Et attention, Valet Dame contre As, Valet, on est dominé pendant le quart d'heure, peut-être perdre un joueur, c'est fait, on perd un joueur, il va t'accompagner Cyril. Aïe aïe vers aïe. Vers la sortie. Là-bas. Quel enfer. On te raccompagne. Je te raccompagne, je te dépose. On se casse yes, le coco qui est dès demain. Bisous. Pour la fin de cette grindhouse, une petite bouteille de champagne. Alors, elle m'a été offerte par Nico Chèvremiel ici merci présent. Nico. Oh, merci Nico. Merci beaucoup. Normalement, le deal, c'était en cas de titre uniquement. Mais bon. On a raté. Mais bon. Ouais ! Oh non ! Ma lampe ! La caméra ! Putain, j'ai cru. Pour être terminé, bien sûr, il était sur les pommes à la double up ! Merde il y en a 27 ! Je suis en train de regarder le tableau. Oh, ça s'est mal terminé pour moi. C'est le risque du direct. On passe à 6 left, mesdames, messieurs. 48 000 assurés pour tout le monde. Et donc, un gros double up pour Progress qui, mine de rien, revient deuxième en stack juste en ayant pris ce gros coup. À cette grindhouse 2. Alors, est-ce que Tapi peut faire le plan où il a le verre dans une main ? C'est compliqué, ça, peut-être, non ? À la venue de Tapi Roland, à la venue de Ponce P. Bah, bravo, messieurs. À ce très beau Top of the Poc. À tous ceux qui nous regardent aussi, hein. À tous les viewers. Évidemment. À 4. 4. Mais lui, voilà, c'est annoncé là. Là, je te dis, la prends. Aïe, aïe. C'est terrible, 11ème place. Oh, mec. Bah, bien joué, là. Oh, le cool avec oh, la table. Le 7 et 4. Moi, je pense que ça raconte une histoire humaine. Et que cette histoire humaine-là, elle est importante parce que c'est des souvenirs, c'est des moments, effectivement, où tu peux ne pas être bien et tu vas être soutenu parce que tu vas être poussé et on va te dire, allez, continue. Il y a un aspect très, très positif. Des séries ensemble avec des amis, se retrouver dans une maison et pouvoir partager ça avec des gens qui comprennent réellement ce que tu es en train de vivre. Cette Grindhouse édition 2 se termine, les lunettes sont mises, le sérieux est de retour, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi j'aimerais, un peu comme toi, remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette édition, tous mes amis qui sont venus, il manque Cyril. Merci les gars, sans vous ça n'aurait pas lieu. Merci à Chèvre Miel qui a accepté de venir et qui s'est très bien adapté. Merci à Ponce P pour tout ce qu'il a fait, notamment sa cuisine. Merci à Tapi. On attend. Non, remercie pas. On attend le reportage. Et après ça, j'aimerais avant tout remercier tous les viewers qui nous suivent. Vous avez été ultra nombreux encore une fois. J'espère que vous continuerez à nous supporter dans nos projets. Voilà. Et sans vous, ça n'aurait pas lieu. Donc merci à tous dans le chat, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Voilà. Et vive le Poc Poc. Et vive le Poc. Bravo à tous. Pour savoir si Nicolas va encore prendre le main event cette année. Si je le fais. Non, s'il te plaît, touche pas mon main event. Bah, tu m'as déjà niqué trop de deep run. Tout sauf ça. Ok, bah. Pour Cannes, ouais. Sur le Mystery Bounty, ouais. Tu prends le plus gros bounty. Vas-y. Si tu réussis, tu sais. Bah ouais, quand j'ai pas à Cannes, c'est le problème.
Ah, il est celle-là, bien joué. Mais il est in dans tous les bluffs, lui. Hein. Tous les bluffs, hein, t'inquiète pas. Le marque le bluff. À table, hors table. Ah ouais, il se fait trop bluff facilement. Qu'est-ce qui va te décider à faire oui ou non une prochaine édition? Je pense qu'il y aura une prochaine édition dans tous les cas. Est-ce que ce sera sur les prochaines séries? Je sais pas. Après, bah, qu'est-ce qui me décidera? Moi, je te dis tout de suite, j'ai envie d'en faire d'autres, c'est sûr. Mais je peux pas le faire tout seul, quoi. De rencontrer tous ces jeunes grinders, plein d'énergie, plein d'ambition, c'est quand même très motivant. Donc je pense que ça va se faire facilement, et puis voilà, et on reprendra nos projets, nos routines, comme dirait Marc. Et je pense que très rapidement on pensera à la prochaine fois. Voilà. C'est un éternel recommencement.